jambe en bas, il a mal. En bas la jambe. Non. Prenne pas, ouais, ouais. La jambe après en bas. Pression sur lui. Non, la jambe en bas. La jambe arrière, il te la met devant. À l'intérieur, il est en bas. Gros. Allez, chute après! Et intérieur, une partie de petit. Voilà, encore! Encore, gros! Là, 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 un, deux, un, deux! Un, deux, voilà! Un, deux, gros, allez! Allez, allez! Un, deux, trois, quatre, on va aller! Et varier, regarde, il en veut plus, là, allez! Oui, je suis content, mais voilà! Je suis honnête, je monte pas au plafond parce qu'il y a 15 jours, je voulais gagner la 9e petite mondiale et j'étais prêt, peut-être trop prêt, j'ai eu un petit problème dans ma préparation, on a fait un petit truc qui m'a fait congestionner les bras et voilà, donc ouais, là je suis content, mais pour moi c'était impératif de gagner, quoi, voilà. Tu peux revenir sur ce combat justement, comment c'est passé, comment il était dans la... Non, j'étais bien, c'est bien passé, c'est pas... Tu vois, quand t'as un adversaire de cette valeur, c'est comme une grosse équipe de foot, tu vois. C'est, tu peux pas faire n'importe quoi, tu le payes cash, tu vois, il attendait le compte, on se méfiait un peu, il savait que je frappais, il était grand, il avait des longs segments, donc c'était tactico-tactique, tu vois, stratégique. Ma stratégie, elle était bien, ça l'a bien gêné. Et quand j'ai vu le coup au corps, tu vois, parce que je l'ai pas touché dans les coups, je l'ai vraiment eu au corps, ça l'a coupé, et bah l'expérience, t'as vu, il a dit le coup, machin, donc, c'est une belle partie d'échec, tu vois. Franchement, c'est un beau sport et depuis peu, je donne des cours particuliers et je donne des cours à des mecs qui ont été des joueurs de tennis, des footballeurs, tout ça. Et voilà, j'essaie de leur inculquer un peu ce que moi, ce sport m'a fait découvrir, sortir du quartier, voir du monde, tu vois, prendre confiance, voyager et le respect qu'il y a, la stratégie qu'il y a dans ce combat. Et ils kiffent, tu vois, ils m'appellent sans arrêt quand c'est que tu as une minute pour me donner un cours particulier. Parce que tu vois, quand ils ont des nerfs à lâcher, ils se défoulent, tout ça. Et donc c'est bien, ça amène du monde, tout ça, et d'autres sports, et c'est bien, tu vois, c'est le but, tu vois. Ce genre d'événement organisé par Fabio, c'est ce qu'il fallait, il faut des gens. C'est bien, franchement, je suis fier de lui, il y a du monde, c'est bien, au moins ça prouve que le public il le suit, c'est un grand champion, j'espère qu'il va nous revenir très vite. Et moi pour ma part, dans quelques temps, je vais aussi lancer une organisation où j'espère Fabio boxera et faire un petit truc privé, voilà, je vous en tiendrai plus en temps et en heure, mais voilà, je suis sur un beau plateau, un petit truc privé sur Lyon, voilà. Merci.